Have you guys missed us? Yeah! I miss you so much. Thank you.
Et c'est ainsi qu'après près de 2h30 de concert, ceci s'acheva dans la joie et la bonne humeur, comme tous les déroulés du concert. L'ambiance était là, les filles étaient au rendez-vous, elles avaient des messages forts envers leur camarade John qui n'avait pas pu venir, mais ne l'oubliaient aucunement. J'avoue cependant avoir été légèrement déçu de ne pas entendre certains de leurs solos, comme 28 Reasons de Selgi ou encore le duo Monster entre Irene et Selgi, mais vu que leur discographie est quand même assez abondante, il y avait de quoi faire, mais ce fut un excellent moment dont je me souviendrai pour cette année 2023. Merci aux fans, merci à Red Velvet, merci à K-pop. C'était vraiment une journée de rêve aujourd'hui. C'était la première fois que je viens à Paris et c'était mon premier concert. Je vous remercie beaucoup, je suis impressionnée par votre énergie. Je souhaite vraiment revenir le plus tôt possible. Merci pour ces beaux souvenirs. Ça fait à peu près 13 heures d'avion pour venir de la Corée jusqu'ici. Surprise que nous puissions venir jusqu'ici pour faire un concert devant vous. Je ne pense pas avoir pensé dans ma vie pouvoir faire un concert jusqu'à Paris. Je vous remercie à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Merci encore d'être venu et merci pour ces beaux souvenirs. À bientôt.